C'est bien le frère Agipi au niveau des femmes. Il a dit au contraire, je ne suis pas comme lui à ce niveau-là. J'ai été J'ai ma... été marié 10 ans. Voilà. Je sais, Il se lâche le Eh yo-yo. oui, je crois les gars qu'il va avoir un clash. Yo-yo Jean Pormanov. Il a été cocu? Waouh. Je le sais. T'as entendu ce que je viens de dire? Non, tu veux même pas te faire Je ça. Non, le non. sais, mon frère, je le sais. Non, 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 voilà, Y'a rien moi à j'ai rien faire. fait. Les gars, Yo-Yo a dit les gènes disparaissent. Non, il a J'ai pas fait rien fait, ça. non, non, moi j'ai rien fait, gros. Non, non, mais tu viens pas de dire un truc qui... Attends, parce que tout le monde dit que Yo-Yo il est en train de terminer JP sur son live. Je vais terminer, vas-y, va voir. Ne me dis pas que t'as dit un truc C'est le hein, début que d'un personne clash. sait. Personne le sait en live. Oui, je m'en bats les couilles. Il l'a jamais dit. Attends. Chacun sa merde. Oh, le repas de j'ai pas famille est plus de dans la merde. casque, Sway. En ce moment, là, je sais pas, il y a 340 personnes. C'est qui m'arrête? Il y a quelqu'un qui m'arrête? C'est quoi ce jeu de merde? Non, bah ça, c'est les gens de chez JP, ils viennent me voir. Allô la commu! Bienvenue! J'espère que vous allez bien! Bien, Clépin! Viens. Merci aux followers et aux viewers qui viennent souvent chez moi. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ce TikTok. À la base, c'était un TikTok troll. Vous êtes tous rentrés dessus. Et je vous remercie. Non, j'ai deux enfants, Anima. Je ne peux pas être puceau, désolé. Donner 1 € pour passer, poser une question Je t'ai dit, je t'avais dit. Non, c'est quoi ces dons? On est les soldats, ouais, GTO, bravo. Bienvenue sur Kick aussi. N'hésitez pas à Kick, Twitch, TikTok, YouTube. PH, allez sur le mime aussi. Il y a beaucoup de monde et il faudrait que je mette presque au lent, hein, parce que. Ouais, JP il est plus beau que moi, je sais, j'y peux rien. Où on passe à Cam, enfin, je pense que j'ai à l'œil, mais sa Cam c'est un rond. Je sais pas non, j'ai pas été coupé là, par des rond. Sénégalais. Moi, ma poutre, je la montre qu'aux femmes. 71 personnes, spectateurs? Non, plus. Ouais, faut que vous allez voir l'Instagram The Notorious. Hein? Notorious Cake. Sur Instagram. Il va y avoir de la bagarre de rue bientôt. Il veut pas venir. Ouais, je l'affronterai si un jour je dois l'affronter, mais pour le moment, il est gentil, JP. Oh! JP, écoute, on va t'entraîner, tu vas dire balèze. Je le bats à la bagarre, je sais pas, peut-être. Oh, merci pour les beats! Oh, beats, ça régale! Non, merci non, moi à je suis pas d'accord, toi. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord, merci pour les du beats. Fond du cœur, Moi je grâce suis pas à toi, d'accord. on va Voilà. pouvoir Non plus. évoluer. Je veux que tu tailles, t'arrives au Et repas de c'est famille, important. cache-crochet, esquive, Le doudou jeu, il va dans le très ventre, bien. tu mets C'est KO. toi le grand frère, frère. Toi, C'est toi le le grand grand frère. frère. Naruto, ouais. Il est peut-être jaloux après, je pense pas. JP, il a dit qu'il avait plus de dents que toi. Ouais, JP, il a plus de dents que moi. Ah, dites-moi Non, qui je vient suis de plus cocu, je suis célibataire. Hé, hey, les filles, je suis célibataire, n'hésitez pas à passer. Yo, t'es cocu. Mais je cherche que des femmes. Eh, hey, dis-lui que s'il veut la bagarre, il vient sur Discord. Bref. Du coup, on va faire monter des gens. JP. Tu t'entraînes là? Non, Et la tu veux tête de pas que je homme. t'entraîne? Putain. Jab, jab. T'inquiète. Allô? Moi aujourd'hui, je voulais être le psychologue de JP là. Qui m'ouvre un peu son cœur. Pas besoin. Waouh, sur quel sujet? Surtout. C'est-à-dire? Attends, déjà, j'ai une question. Quoi? Par rapport à la communauté, dans son live, en fait, faut qu'il soit plus proche de son live. Genre, par exemple, il y a des fois, il y a des subs et tout, ils sont balés. Ils regardent même pas l'écran, ils savent même pas qu'il y a des subs alors que genre c'est pour lui, tu vois. Il te parle, hein? Ouais, je sais, j'entends. Bah, réponds-lui, frère! Attends qu'il finisse. Ah, si, je sais qu'il y a des subs. Eh! En vrai, JP, genre, je suis pas là pour t'emboucaner, tu vois, genre, réponds-moi, j'ai du mal, tu vois. Je me doute, t'es pas là pour m'emboucaner. Ah, après, j'avais un autre, genre, par exemple, genre, une fois en live, t'as dit, tu répondais pas aux, enfin, t'aimais pas les dons, que les gens, ils étaient là juste pour insulter ta mère, t'as dit. Moi, t'es des dons, c'est ça, hein. Bah, tu sais que moi j'ai un exemple, genre un jour en live. Attends deux spips parce que j'ai un problème là. Bref, J'ai long à la détente! C'était un don super bienveillant et tout. Et genre, tu faisais rien, t'étais pas en train de te faire embrouiller et tout. Et genre, t'as rien dit. Tu l'as ignoré alors que c'était un don bienveillant. Du coup, imagine cette personne là, genre,
Elle va voir que quand elle est gentille avec toi, tu ne calcules pas, donc elle va être méchante, forcément, c'est le seul truc qui te fait réagir. Ouais, bon, ça c'est un truc que je lui ai déjà dit un milliard de fois, il a jamais compris, et je pense que ça, il va jamais le comprendre de toute façon. De toute façon, c'est JP, on a l'habitude avec lui, on lui parle, on lui explique des choses, et il les oublie. Enfin, tant que c'est pas une meuf qui lui dit... Ou tu vois, une meuf qui lui met la pression et qui lui dit, ben, sur ça changera rien en gros, tu vois. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, il avait les yeux grands ouverts là, après, juste après, c'est un mec qui s'est endormi. De quoi ? Ouais, oui, ça arrive. Mais tu sais que, en plus, genre, j'ai entendu dire, Rafi, qu'il faut sortir un complément d'enquête sur JP. À quoi ? Un complément d'enquête ou d'enquête ? Ouais, un complément d'enquête. Il y a complément d'enquête. Bien se faire chier alors. Hein. De quoi ? On va bien se faire chier quoi, s'ils font complément d'enquête sur moi. Bah non, mais tu sais que. Ils vont trouver des trucs à dire. Hein. Moi je peux te dire un exemple. Vas-y, on t'écoute. Genre par exemple, ça va, c'est un truc dans le genre. Notre équipe s'est rendue à Voipi. Ils rencontraient Jean Permanov, 44 ans, pas une dent et pas un poil sur le caillou. Waouh. C'est intéressant. T'es kick. Bah, les couilles. C'est là, frérot. Bonne soirée à toi. Salut, toi. Ouais. Vous. Ça va, ça va. Ça dit quoi ? Ça va, tranquille. Bah, tranquille, tranquille. Enfin, à vous, je parle que à sa fille Naruto, hein, parce que je m'en bats un peu les couilles. Non, je rigole, je rigole. Kick-le. Non. Non, mais sinon. Oh, non, attends. Sois un homme. Normalement, un homme. Là, il confronte. Fait quoi ? Ah, il confronte. Confrontation. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Vas-y. T'as fait quoi pour que tu t'en foutes de moi ? Non, je rigole, je m'en fous pas. Voilà. Mais j'avais après, des moi, questions. Je peux après, moi, je peux te rappeler ce qu'il fait, si tu veux. Vas-y. Il coupe les lives, il est aigri. Attends, il reste bloqué sur la chaise. Il n'aura rien du tout. Voilà. Oh, Boucan. Attends. Je vais venir le refaire. Attends, tu l'as pas sur ce compte. Non. Attends, deux secondes. Vas-y, t'inquiète. Attends, parce qu'il a dit, il attend un message. Vas-y, y'a pas de soucis. Ah, ça va être drôle. En boucan. C'est quoi cette photo de profil qu'il a, yo-yo ? On dirait un gay. Oh là là, t'es pas d'accord avec moi ? Ça rajoute son dessus. Oh ! Arrête de crier là. C'est pas normal que j'arrive à ce stade-là de la vie. Franchement, il parle comme si c'était lui le grand frère. Moi ça me choque. Il y a un peu de la mise à l'amende. Ouais, franchement, il y a un peu de la mise à mon nom. Oh là là. Attends, j'essaie de l'appeler. Si par malheur il répond. C'est la guerre. Il répondra pas, il y a un film. C'est la guerre. Ça nous fait personne de téton. T'en fais, il est gay ou pas, j'ai fait. Non. Pourquoi il a un piercing au téton ? J'en sais rien. Pourquoi il fait des photos comme ça ? J'en sais rien. C'est bien, c'est tout. Non, soin. Il est soin. Les gars, vous êtes témoin, il a pas répondu. Vous êtes témoin. Dites-lui, JP, il a dit. T'as trop peur pour répondre sur Discord. Tu flippes. Dites-lui. Alors comme ça, tu flippes. T'as la trouille. Dis-le, t'as la trouille. Il déteste ce mot chez les grabens. T'as la trouille. Dites-lui, t'as la trouille. Ouh là là. Oh, on se chie dessus. Viens, attends, moi je t'entraîne. Viens, jump, que des jabs. Moi j'ai mal partout là. Mais alors moi je suis en train de mourir. Viens, juste moi je fais ça. Et toi tu mets des coups de poing. Viens. Mets là la musique de Rocky Balboa. Yo, il a dit que t'étais un dormeur. Lui, il aurait déjà couché avec Barbara depuis longtemps. Waouh. Bien sûr. Ah y'a, là il veut te voler Barbara. Ouais, mais moi j'ai pas été marié. Puis ma femme elle a couché derrière. Ah, mets la musique. C'est la guerre. J'ai envie d'organiser la fête de la zone.
Ah, il a envoyé un message. Attends, je le rappelle. Il a dit quoi? J'ai mal de rappel. Il a dit quoi? Aïe. Je me chauffe, faut que mes courbatures partent. Ah, j'arrive pas à ouvrir ma main. Ouvre ma main, s'il te plaît. Doucement. Il répond pas, les gars. Il répond pas. Il a répondu. Salut, yo-yo. Allô. Non, tu veux de la monnaie? Ouais. Et j'ai que des billets. Putain, personne qui a de la monnaie. Allô. Ouais, allô. Attends, t'entends doucement. Je suis 30 centimes. Ouais, salut yo-yo. Je m'entends de doucement. Je parle doucement. Salut. Salut yo-yo. Salut. Alors c'est toi qui a balancé l'industrie du cake aux fruits. Non, non, fuis pas, JP, tu vas où? J'ai pas entendu, tu as dit quoi? Oui, c'est moi qui ai lancé le cake aux fruits. Ok, écoute yo-yo, depuis... Moi je peux venir, je suis fan. Oui, tu peux venir. Je suis un vrai fan. À mort. Écoute yo-yo, depuis quelques jours nous avons des échos. Et on nous fait des dons où il y a des enregistrements de tes lives où il y a pas mal de clash sur JP. JP répond lui aussi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient me poser des questions, donc étant une personne franche, je réponds. En parlant de franc, qu'est-ce qui est cette... Tu peux nous raconter l'histoire de la voiture? Attends, moi je veux dire bonsoir Yo-Yo. Bonsoir Yo-Yo, je suis un grand fan. Bonsoir, merci. Salut Yo-Yo, j'espère que tu vas bien, c'est Safine, ton meilleur ami. Non, j'ai pas de meilleur ami, désolé. Ouais, et surtout pas Safine, j'imagine. Fais un solitaire. Viens, il est là. Alors, JP nous a dit que l'histoire de la voiture dans le front... Je sais même pas. Elle a jamais existé. Je sais même pas si c'est un... Attends, déjà, je tiens à rappeler que il y a de la place sur ce siège que pour un seul Graven. Et que la place n'est pas... Fixe. N'est pas fixe. À tout moment, on peut swapper. Allez-y. L'histoire du franc, elle est vraie ou fausse? De quel franc? Bah, de... Je sais même pas ce qu'il parle, de quoi il parle. Une voiture. C'est quoi que tu lui as jeté dans le franc? Une voiture. Attends, Yo-Yo, pourquoi tu nous parles avec une voix mielleuse? Ah, c'est pas une voix mielleuse, c'est juste que derrière j'ai plein de followers sur ma chaîne. Actuellement j'étais en train de jouer tranquillement. Ouais. Et comme par hasard, aujourd'hui il y a JP qui m'appelle pour discuter. Bah, ça te fait plaisir alors qu'il y a des gens qui te follow? Ah, oui, après là ça fait quelque chose. En gros, on est en train de prendre de ton temps, c'est ça? Un petit peu, hein, tu sais. En train de jouer, quoi. Excuse-nous, Yo-Yo, désolé. Ah, pas de soucis. T'as un manager? Faut qu'on passe par un manager? Non, pour le moment, j'ai pas de manager. Pour le moment. Pour le moment. Nous, on aimerait. Du coup, c'est quoi, une petite voiture, un jouet, c'est ça? Bah oui, en fait, c'est simple, hein. C'est le problème avec JP quand j'étais gosse, c'est qu'il prenait mes jouets, il les cassait et il les planquait dans des tiroirs. Et un jour, j'avais... Ah, il fait pareil avec la bouffe ici. J'avais une belle voiture et puis du coup, il me l'a cassée, il l'a rangée, je la trouvais plus. Et je me suis énervé. Et le problème, c'est quand je m'énerve, il faut pas être devant. Ah, quand toi aussi, tu contrôles pas ta force? Ouais, je la contrôle pas du tout. Du coup, c'est chez tous les graveurs. Du coup, tu lui as lancé dans la tête et tu lui as ouvert la tête et non, il est parti pleurer. En fait, il s'est enfermé dans la salle de bain. Petite. Et mes parents, ils étaient aux courses. Et j'ai attendu que la porte se s'ouvre de la salle de bain et je lui ai fait croire qu'il y avait les parents. Et il a ouvert, je lui ai jeté la voiture en plein front et il a saigné, il a été pleuré à maman. Il a pleuré? Ouais, il a. Il a encore l'année tout ça. Et c'est ça alors la cicatrice sur le front. Ouais, il l'a emmené à l'hôpital. Ça c'est quoi? Il est allé à l'hôpital. Ça c'est des arbres dans la forêt. Il est allé à l'hôpital. De quoi? Eh oui, ça rappelle peut-être plus, peut-être qu'il a perdu conscience. Wow. Et ouais, il contrôle pas sa force. Bah oui, il aimait bien casser les voitures. Je sais pas.
Et c'est véridique hein, ce que je dis. Après, il s'en rappelle peut-être plus. Moi, je te crois. Moi, je te crois. Non, moi, je te crois. On était gosse. Hein. Lui, je crois qu'il avait 23 ans. Et comme j'ai 4 ans de différence. T'avais 19. Ouais. 18, ah, mais à 19 et 23 ans, vous jouez avec les petites voitures ? Mais c'est des voitures de collection. À la base. Ah, d'accord. Des voitures de compétition. Ah, vous cassez vos voitures. Bah, non, c'est possible. Il était à l'armée apparemment à cette période-là, donc tu mens. Non, j'étais à l'armée, gros. Bah, c'était plus jeune. Alors. Ou alors c'était un peu plus jeune. Ah, si, ça remonte, hein, je te le dis. Hein. À l'armée, elle avait 3 ans. Bah, après, ça rappelle plus. Bon, bah. Ouais, t'as dû frapper un peu trop fort. Mais c'est toi, The Notorious Cake ? Non, ça, c'est des fans qui ont. Non, mais on sait, on sait. On sait, on sait. Mais apparemment, t'as un combat de prévu. Ça fait longtemps qu'il est. Bah après moi j'aime bien faire des fight club donc moi souvent je vais dans la rue et j'aime bien taper sur des gens qui bougent. T'aimes bien taper sur qui bouge. Sérieux pour de vrai? Bah si vous voulez faire des fight club vous avez qu'à organiser et puis on vient on se tape dessus jusqu'à celui qui appelle l'hôpital. Incroyable, Mais je veux. Les mecs du Nord ils sont trop chauds. Oh oui, c'est un jour on t'invite pour faire un self control, tu viens ou pas? Non, pas pour le moment, à cause de ce qui s'est passé et sur les dons que vous avez fait, j'ai... Quels dons? Bah, tous les dons de démarrage, avec les insultes et tout. Ah, sur ta mère et tout? Ah, ouais, mais ça, on peut pas le contrôler après, contrôler, c'est... Ouais, on essaie de ban, on essaie de... Quand ils abusent trop, on essaie de couper à temps, mais ça va trop vite. Entre le moment où la notification, elle arrive, et où on coupe le truc, le laps de temps, il est trop court. Ouais, je me doute. Après, s'ils abusent trop sur les dons, comme tous les self-control, hein, quand il y avait Camélia et tout, ouais. Si on voit qu'ils forcent trop, s'il y a un ou deux... Il n'y a pas des dons. S'il y a quelques dons, trolls comme ça dans toute la soirée, bon, on peut rien y faire, ça fait pas rire, mais on peut rien y faire. Après, si on voit que vraiment ils abusent trop et que c'est en continu, on coupe complètement les dons. Ah, je vois. Bah écoute, nous on t'a proposé, et si un jour l'envie te vient... Tu es le bienvenu sur Nice et tu es le bienvenu pour faire le self-control. Okay. Par contre, faudra pas lui ouvrir le front. Ouais, s'il te plaît. En direct. Non, hein. Oh, on fera. Tu vois, jamais de toute façon ce jour-là, calme. Je pense que je vais engager une sécurité. et s'il te plaît, pour le repas de Noël, si tu peux. Ne pas le tabasser. Ouais. Bah après, faut voir s'il vient. Hein. Mais si, il vient, il a réservé et tout, il parle le vin, je crois. Ouais. Ok. Donc, Cash, quand il va venir, cache tes jouets de valeur. Après, je les casse. Moi, ça va. Et puis chez ma mère, gros. Bon, c'est jamais. Toi, après, tu vas les mettre dans ton tiroir, là. N'importe quoi. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps, Yo-Yo. Ouais, attends, ouais, y a pas de problème. Dans le chat, juste une question, c'est dans le chat. À propos du piercing au téton, est-ce que c'est pas trop gênant pendant les Fight Club? Non, pas du tout. Non? Ok. On t'a jamais tiré le piercing? Personne n'a jamais essayé de te l'arracher. La personne qui a réussi à aller jusqu'à cette distance, donc... Ah, petite question, et puis tu laisses Barbara tranquille aussi, hein. Ah, oh ah ouais, parle plus de Barbara, apparemment. Non, mais on n'arrête pas de me parler de Barbara, et je sais pas qui c'est. Depuis tout à l'heure, on parle de ça, depuis tout à l'heure. Parce que, apparemment... Dans le chat, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que toi, Barbara, tu l'aurais baisé depuis longtemps. Enfin, je sais pas qui c'est, donc. Là, on vient de me dire que Barbara est amoureuse de moi. Ouais, c'est vrai. Elle m'a parlé de toi. Non, je sais pas qui c'est, donc. Elle a vu le TikTok du frère de JP. Elle a dit il est très beau et elle pense que si JP, quand il va refaire ses dents, il va être aussi beau que toi. Et c'est une belle nana. Non. Et j'ai une dernière question. Est-ce que t'as déjà perdu un fight dans un fight club? Ça t'est déjà arrivé ou pour l'instant t'as que des victoires dans ton palmarès? Non, quoi? Perdu, Tu veux pas les mots là? Ouais, bah j'en ai. Alors attends, il y a un don de seconde. Regarde la dernière story de Barbara Temalebzé. T'as dit quoi? Je t'ai pas entendu. Il y a eu des défaites ou pas? Non. Zéro défaite, ok. Ah, ça m'étonne pas. Ah. Combien de combats et combien de KO? Ah. Khabib Nurmagomedov. Ah, il nous entend plus. Et si, je suis là. Ah, ouais. Ah, ouais.
Une dernière question, est-ce que t'as eu des problèmes suite aux propos choc que tu as tenus sur les cakes aux fruits? Non, il y a juste l'industriel qui a un peu peur de ça. Ouais, t'as fait bouger des choses, j'ai vu. Ouais, j'ai fait bouger, là on a parlé du pain d'épices en début de live tout à l'heure. Ah ouais, tu t'arrêtes plus, là ça y est, là il a parlé du pain d'épices. Il y a quoi sur le pain d'épices? On a créé un monstre. Il y a des problèmes, on a fait un clip sur ça en plus. C'est quoi le problème du pain d'épices du coup? Ils vont vous le faire tourner, le clip. Il a réduit de taille, le pain d'épices aussi, ou c'est un autre problème? Non, ouais, c'est un problème, mais normalement, il est rectangulaire, et là, du coup, il n'est pas rectangulaire. Ah, et on a dû le mesurer et tout. Putain de merde. Ouais. Quelle industrie de merde. Ouais. Ok. Bon, yo-yo, bon live. Ouais, merci. Merci à toi, bonne soirée. Et bonne soirée. JP, du bon soir. Ciao. Bonsoir, ciao. Ouais. Arrête la puff, c'est pas bon la puff. Merci. Oh, merci. Il est chargé là de toute façon. Merci. Moi je lui mets du goût bio dedans. Non mais c'est pas bon quand même, il faut pas qu'il fasse ça. Ouais, autant qu'il reprenne la cigarette. Hein. Non, il est bien parti là pour le moment. Ouais, faudrait juste qu'il arrête cette merde et. Oh, elle est bon. Ouais, donc voilà. Bon, merci pour le conseil. Allez, yo-yo, bon live. Ouais, ciao. Alors, il faisait un peu le moins fier avec toi, tu vois. Je le trouvais un peu plus confiant sur les clips quand il est sans toi. Mais t'as pas beaucoup parlé, j'ai l'impression qu'il t'impressionne. T'as un peu peur de ton frère. Moi ? Ouais. Personne m'impressionne. Oui, parce qu'il faisait Fight Club, pour ça t'as peur. Fight Club où ? Si, t'as peur. Fight Club où ? Ah, il fait pas de Fight Club, c'est un monteur ? Fight Club où ? Ah, ok. Ah, il monte. Je sais pas si dans son village il était de Fight Club, mais c'est dans la campagne. Avec les vaches. Ah, ça monte. Et ça, pourquoi tu l'as pas dit quand il était là? Eh, JP, il est allé voir la story de Barbara, ce pervers, je l'ai eu. Il m'a dit, ouais, c'est abusé. C'est quoi la story? Fais voir. Ah là là, le truc des Fight Club. Personne n'a réussi à m'approcher jusque-là. Fais voir. Montre pas. Mais si, pourquoi? Bah, elle est en public. Ah, c'est tout. Ah ouais. Regardez-le. Vas-y, envoie-lui, vas-y. Non, viens. Un vrai mec, frère. T'as vu? Parce que toi, regarde. Attends, tu veux lui dire quoi? Un truc gentil, genre. Non, tu t'es là fais cette du année. Sport, non? T'es là cette année. Oh là là. J'ai marqué. Je te jure, il marque un truc gentil. Ouais. Ça passe ou pas? Oh, cache ta tête. Merci, que tu l'as marqué. T'as répondu ou c'est toi qui a... Ah, c'est moi. Ah non. J'ai écrit belle-père. Ah. Et là, je vais écrire Gonibar. Voilà. Gonibar. Et maintenant, fais l'homme. Attends, on va voir ce qu'elle répond. On va répondre demain matin. Ah, supprime pas. Laisse. Oh, moi, j'en bats les couilles. Il va screen 8 fois. Ah là là, en vrai, de vrai, JP 100%, il va spignouf sur la photo, tu penses? Bon, on en était où là? Eh, tu le prendrais comment? Si on invite Yo-Yo dans un self-control, et le même soir où Barbara elle vient. Ouais, et il risque la... Et il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, et il arrive à galoche Barbara, tu le prends comment? Elle a même plus intérêt à me parler. Ah ouais, c'est la fin. C'est la fin d'une fratrie là. Là, c'est même pas la peine. D'accord. Mais non, les gars, je me gratte pas. T'as répondu ? Je chauffe mon avant-bras ou je sais pas ce que je fais. Eh oui, j'ai son numéro. Aussi, j'ai son numéro. Allô, Barbara ? Hein ? Ouais, on est en live. On a un peu parlé de toi. Oui. On a un peu parlé de toi. T'avais dit quoi ? Eh ben, apparemment, il y a une story de toi. Et apparemment, JP, il t'a laissé quelques messages. Est-ce que tu peux regarder les messages et nous dire ce qu'il t'a dit? Il veut pas nous dire. Aïe. On attend ta réponse. Oh putain. Dis-nous, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Dis-nous la vérité. Il a dit belle-père.
Ah mais c'est un malade. Aïe, il a osé. Ah, qu'est-ce que je rigole. Ça te fait plaisir? Ah, ça m'a fait rire. Ça te fait plaisir ou pas? Oui. Ah, bon, ok. Bon, ok. T'es où? T'es au sport là? Non, je suis à la maison. T'es à la maison? Bon, ça va mieux toi? Bah oui, écoute, il faut. Il faut avoir sa vie. Quand tu veux, tu passes au local. Ça marche. Allez, bisous. Allez, on te laisse. Bisous. Ciao, ciao. Regarde, c'est très bon. Elle a envoyé des. Oh coups. Putain! Ah, il a dit belle paire Gronibar. Elle a envoyé des cœurs. Ça, oh là 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 là. Je suis assez que c'est la première fois de sa vie. Oh, il est. Regarde, qu'est-ce qu'il n'est pas bien, regarde sa main. Quoi? Regarde comme il tremble. Oui, je tremble. Oh, il est heureux. Il va exploser. Elle a des couilles, elle a ça. De l'explosion. Est-ce que toi-même t'aurais osé envoyer un message comme ça? Non. C'est ça ton problème. Tu vois? Là, ça l'a fait marrer. Maintenant, tu sais quoi la suite? Elle t'envoie des cœurs. Maintenant, tu lui envoies un autre message. Tu lui dis, montre-les-moi. Envoie une aubergine. Envoie une aubergine. Envoie une aubergine. Envoie. Non, écrit, s'il te plaît, envoie un sein. Envoie F. Envoie fesse. Envoie fesse. Non, je réponds. Ouais, Nanou, ça va ou quoi? Ça va pas, Rignan. Eh, ça fait trop plaisir. Tu fais quoi? Ça va pas, Rignan, Naruto. Ça va, mon ref, hein? Ça dit quoi? Je t'ai pris, Naruto. Hein? Je t'ai pris. De quoi tu m'as pris? Je t'ai pris. Tu m'as pris? Non, je déprime. Je déprime. Ah, tu déprimes? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais pas. Comment ça que tu déprimes, mon ref? Je sais pas, t'as dit dans le commentaire, on m'a insulté ça. Donc, je suis un menteur. Le commentaire. Mais quel dans commentaire? Ouais. Commentaire de quoi, Nanou? Discord. Discord? Quoi? Ouais. Eh, Nanou. Les gars, Nanou, je vous ai mis dans une impasse. Ah, tu m'as dit déprime. Eh, hey, Nanou. Eh, hey, je. Frérot, il y a du vent dans ton micro. Qu'est-ce que t'as, Nanou? C'est ça, ça c'est mon témoin sur TikTok. Et ça c'est mon témoin. TikTok, sur Insta. Eh, mais Nanou. Frérot, écoute-moi bien. Dans la vie, y a des gens qui vont se moquer de toi, il y en aura plein, frérot. Mais ce TikTok, on est là. Je veux que tu fais un. Eh, mais on s'en bat. Ouais, mais Nanou, toi aussi. Nanou, même nous, on en a plein des gens qui se moquent de nous, mais faut juste pas les calculer. Même là, dans le chat, il y en a plein qui. Regarde, qui se moquent de JP. Il y en a énormément. Dans le chat, il y a deux, trois petits. Moi qui m'insultent. Juste, je les calcule pas. Non, mais Nanou, ouais. Toi aussi, tu fais quoi sur TikTok? Tu postes des TikTok? Ouais, je danse. Mais toi aussi, Nanou, danse pas sur TikTok, frérot. Ouais. Nanou, danse pas sur TikTok, frérot, tu sais très bien. Vas-y, Nanou, tu peux mettre la caméra? Fais-nous une danse que tu fais sur TikTok et on va voir si les gens ils se foutent de ta gueule. Là, je peux pas. Pourquoi? Tu es en cas. Regarde, Nanou, regarde dans le chat, y'a tout le monde qui m'insulte, mais moi je calcule pas. Faut être plus fort qu'eux. Je te jure, Nanou, le meilleur c'est de pas calculer. Ah, Nanou, t'as 18 ans maintenant. Faut que tu sois plus fort que ça. Ouais. T'as quel âge là? T'as 18 ans, ça y est? Ouais. Eh ouais, frérot, t'es un bonhomme. Nanou, il y a plus de 20. Hein? Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Tu vois, toi, à Metz bientôt? Bientôt, ouais. Je vais voir mes parents pour Noël. Tu vas passer à Wapi ou pas, Sipé? Je sais pas. Et là, tu fais quoi en ce moment? Là, je suis en salle, là. Demain, je suis en salle. T'es en stage? Tu l'as eu ton ouais. KSS? Non, j'ai pas fini. Je suis en deuxième année là. En deuxième année. Là, ça se passe bien. Ouais. J'ai gagné. Nanou, regarde le chat. T'as tout le monde qui se fait des cœurs. Eh ouais, tout le monde te fait des cœurs, Nanou. Ouais. Mais regarde. Naruto, bon. Un nouveau. C'est quoi? Un nouveau TikTok. Eh, je sais pourquoi tu veux que je m'abonne. Hein. Tu veux que je te donne des sous encore? Non, ils m'ont banni. Eh, mais t'as pu récupérer. C'est sur TikTok. Ouais. T'as pu récupérer l'argent? Ouais, ils m'ont banni, c'est toi. Quoi, t'as pas récupéré l'argent?
Oui, ils m'ont banni. J'ai senti, ils m'ont banni. Attends, c'est quoi ton truc? Summer. Remets ton truc. Summer Nanou. Avec un M. Et du coup, il est passé où l'argent que je t'ai envoyé? J'ai donné un CP un peu. Ça ah, pousse. C'est gentil. Quoi? Il a fait des dons. T'as fait des dons? T'as un bon, frérot. Ouais, t'as un bon. Nanou, un petit message, un petit mot pour JP? Ta gueule, hein. JP, continue quand ça, c'est le meilleur. Ah, il a dit que t'es le meilleur. Merci, merci. Il arrête de fumer la puce, s'il te plaît. C'est plus ah, bon Nanou, t'es le meilleur. Allô. Hello, Barbara. Ça va? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le frère de JP t'a contacté? Ouais. Mais pourquoi? Il t'a dit quoi? Ouais, il m'a dit salut, ça va, tu passes une bonne soirée. Ouais. Mais je savais pas qui c'était. Hein. Ok, putain. Sacré. Il m'a dit qu'il connaissait JP, qu'il était très proche. Wow. Et je dis, ah bon, t'es qui? Il m'a dit, ah, je suis son frère. Il s'appelle comment? Yo-Yo, c'est ça? Oh, putain. En fait, je t'explique. Il est un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune que JP. C'est vrai. Ouais. Il est un peu plus en forme, tu vois. Et il s'est mis dans la tête que lui, il pouvait être un homme parfait pour toi. Ah bon? Ouais. Tu seras intéressé? Et il a quel âge? Oh, elle est intéressée. Il a quel âge? Il est non, plus... mais... Il est plus jeune, il est plus jeune. Il est pris devant. Il est plus jeune. Il est sur le devant de la scène. Et toi, comme d'habitude, non, tu ne surveilles pas les angles morts. Attends. Ah, je veux une voiture à rennes, s'il te plaît! Je veux une voiture à rennes, s'il te plaît! Il est très très okay, jaloux! Ok, je veux une voiture à rennes! Les angles morts! Et comment ça s'appelle? C'est bien. Et du coup, je t'explique, il y a moyen qu'ils descendent sur Nice dans pas longtemps. Est-ce que ça te dirait si je t'organise un date avec lui? La jambe est montée. Le seum est monté. Avec Yo-Yo. Avec Yo-Yo. Avec Yo-Yo. Tu sais, le pied de bouche, il va dans ta gueule. La jambe est montée, la pression est montée. Non, 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 qui va là? Et les cheveux sont montés. On a une surprise là, va pas là-bas. Va pas là-bas, reviens là. Non, 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 reviens. Vas-y, Barbara, merci beaucoup. Attends, alors. Attends. Assieds-toi, t'as pas le droit. Non, 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 non. Non, non, assieds-toi. Non, il y a quelqu'un là, quand je suis là. Assieds-toi. Là, il est bientôt minuit, il y a quelqu'un, tu bouges pas. Ah, les gars, ils croient que je rigole, que je suis là. On va voir qui va niquer sa mère, c'est tout. Mais c'est ta mère! Non, bah, c'est ta mère. Ok, il a dit à Yo-Yo, va niquer ta mère! En tout cas, lui il perd pas de temps. T'es bloqué comment de toute façon? Lui il perd pas de temps. Lui. Ah, lui il va la contacter. T'es bloqué tout le monde. Lui... Allez vérifier les angles morts! Après, lui je pense pas qu'il était vraiment dans l'angle mort. Lui il était vraiment là, genre. Là. Comme ça. Imprévisible! Comme une petite fouine. Yo-Yo se cache. Attends, il est bien. Derrière sa victime. Il est bientôt minuit. À attendre. Ouais, tu m'as appelé? Ouais. Il est fou. Ouais, ouais. Ça cache pas Kindaron. Ouais. Il y a sa mère qui est là, qui est en train de lui dire dans l'oreille, les crois pas, les crois pas. Elle croit que je l'entends pas. Les crois pas, c'est faux, les crois pas. Alors que Barbara, elle l'a dit, genre. Ouais, ouais. Bon, ben, croyez pas. Croyez pas. T'appelles qui? Sa mère, elle est en train de lui dire, les crois pas, c'est faux, les crois pas. De quoi? De Barbara, alors qu'elle l'a dit elle-même. Ouais, ok. Bisous. Pas de probe. Bisous, Jojo. Quand tu dis trop de fois problème dans la journée, t'en as marre, donc tu le raccourcis, tu dis probe. Bisous, Jojo. Mm-hmm. Tu passeras le CLM. Tu sais comment il est, Lionel? Bah, justement. Ah, bah après, ça se peut que c'est un mec qui s'est fait passer pour Lionel aussi. Ok, y'a pas de problème. Non, mais pas de problème. T'as le seum, seum, seum. Attends, je peux lui dire un truc? Ah, allô? T'as le seum, 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 seum. Passe le CLM à Jojo, hein, bien sûr. Ah, ouais, peut-être, ouais. Ouais, aussi. Ça m'arrête, ouais, Jojo. Joël, vous m'entendez? Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui se fait passer pour Yo-Yo. Il veut dire. T'as voilà. Le somme, 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 somme. Il veut dire. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, elle est d'accord pour faire un date avec ce Yo. Elle peut le faire. D'accord. Pas de soucis. Allez, merci. T'as le somme, 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 somme. En fait, t'as vu, ta mère, elle pense boucher ce problème. Sauf que ce problème, on appelle un autre. Barbara est intéressée par Yo-Yo. C'est peut-être pas Yo-Yo, mais maintenant on sait que Barbara est intéressée par Yo-Yo. C'est-à-dire que dans tous les cas, on reste dedans, on reste dans le problème. Merci de votre interaction, Joël. Du coup, ça s'est terminé comment là avec Roxa? Il a dit quoi?
Mais toi t'étais pas là? Non. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit, parce que lui il a pas mis le haut-parleur exprès. Et elle s'est dit je vais shooter comme ça ils entendent rien. Et j'entends de loin comme ça, les crois pas, c'est des menteurs. Tu sais comment il est ton frère, les crois pas. Alors j'entendais tout. Mais wesh, tu sais très bien qu'on a appelé Barbara, wesh. Yo-Yo, la MP en live. Et la DM en live. La DM en live et Barbara, elle l'a dit, elle a appelé. Donc plus que ça, on peut rien faire. Je crois qu'il y en a un qui a trahi la famille. Je crois qu'il y en a un qui a du mal à l'avouer, qu'il a pas vérifié les angles morts. Voilà. Oh, hey, molto, molto bueno. Ne le salis pas, juste ne le salis pas, s'il te plaît, reste propre. Juste à faire ça. Ok. Ouais, Wen, t'as dit à JP ce qui allait se passer ou pas? Quand? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi tu l'as pas dit? Lui dire quoi? Bah que tu me l'as vendu. Ah! C'est toi? Je t'avais pas reconnu, non, Jason. Tu es sur un live que tu fais de ta gueule. Du marché noir en vente. Ah, désolé, Jason. Désolé, Jason. Je savais pas que c'était toi. Attends. Attends bien, pour être utilisé pour acheter les flics. Tu sais à qui tu parles, toi, au moins, quoi? C'est Jason, respecte Jason, il est chaud Jason. Ouais, je parle à n'importe qui. C'est pas Jason. C'est qui? C'est le boss final. Ah, boss final. Parce qu'en fait, je t'ai vendu à tellement de personnes différentes, ils essaient de faire un petit billet sur ton dos. Non, c'est Zino. Moi, je m'appelle Zino. D'accord, et tu veux le récupérer quand? Avant Noël. Tu vas en faire quoi? Là, tu peux te mettre tes doigts dans le cul et faire l'avion avec. Je vais le mettre dans mon jardin, mais attends, il faut que je lui dise un peu ce qui comment ça va se passer là. Parce qu'il s'appelle JP, j'ai un nouveau prénom pour lui. On t'écoute. Franchement, bien. Maintenant, JP, tu vas faire JP, tu vas t'appeler Rouek. Franchement, les gars, attends, Apex. C'est ça. C'est gros Nibar. C'est qui lui? C'est qui? Vas-y, présente-toi. Ouais, tu veux que je me présente moi? Ouais, dis-lui, t'es qui, pourquoi et qu'est-ce qu'on a fait tous les deux? Moi je suis le boss final et Owen il m'a vendu JP pour la modique somme d'un Kinder Bueno. T'avais faim? Quand? Il y a 2 semaines. Et pourquoi il est là lui? Ah parce qu'il veut récupérer son jus. Et il s'appelle plus JP, il s'appelle de Rouek. Mais la condition c'est que maintenant on va partir sur une bonne base. Rouek. Si tu veux parler, tu lèves la main. Ma bonne qui est ta merde là. Il a levé la main. Gars, je lèverai la main quand je serai dans la tombe, d'accord? Je lèverai la main quand je serai dans la tombe. Là pour l'instant je suis pas dans la tombe, tu vas fermer ta gueule et tu vas me m'obéir. Mais Rouek, calme-toi Rouek. Allez tiens, allez. Ah non, Rouek, Rouek. Non, Rouek, arrête Rouek. Rouek, tu vas te calmer. Arrête Rouek, non. Il y a Rouek, il est en train de péter un câble. Ça Rouek. Ça dégage. Oh, tu la fermes, sans que je me lève. Et si je me lève un truc, attends, il y a un Rouek, arrête, Rouek, mais calme-toi, Rouek, arrête. Il s'appelle Rouek comment? Rouek Gauthier. Rouek Gauthier, arrête. Allez, ça va. Arrête, Rouek. Tu es complètement crazy. Mais c'est un Kinder Bueno. Allez, lâche-moi. Mais tu vas être heureux avec lui, tu vas lui faire faire quoi comme activité? Arrête, s'il te plaît. Il va dans mon jardin, il fera le jardin, t'inquiète. Voilà, tu le jardin, ouais, c'est tiens. Bien le jardin. Okay, toi t'es dans mon jardin en train de sucer les verres. Voilà, ah, tu connais, il a ban de Rouek. Tu seras des bannes hein, demain, t'inquiète. Tu connais Lire? Ouais. Qui? Lire. Non. Rouek. Lire Rouek. Tu connais pas Lire Rouek? T'en fais passer un dernier? T'es prêt ou? Attends. Je sais pas. Tu peux, est-ce que s'il te plaît, tu peux te bander oui, les yeux? Bien sûr, ouais. Écoute, wallah, je savais pas que moi il y avait une surprise. Oui, bien sûr. Wallah, je savais pas. Bien sûr. N'oublie pas. Wallah, je la prends en même temps que toi. Je vais vous dire, c'est les derniers habits que je peux mettre. Ok. Après, j'ai plus rien. Ok. Bon, si vous faites un truc de merde, okay. Ça va vous percussions sur vous. Je vous dis. Percussion, oui, c'est ça. Ouais. On est dans la musique, nous. Percussion. Oui, JP. Oui, bien sûr. JP, voilà, il y a une surprise. Oui, bien sûr. Si c'est pas une surprise, wow, il y a des trucs qui vont vous tomber sur la gueule. On a du tout. Tu vois, on a du tout. Ça, je vous le dis direct. Ouais, je vous le dis direct. Bien sûr. C'est qui ça? Je m'en bats les couilles. Carrément, je t'ai donné ma veste, c'est que je m'en bats les couilles. C'est que je sais bien que. Bien sûr, oui, mais c'est ça. Tu veux qu'on mette ma veste? Voilà, rien à foutre. Regarde, carrément, on met ma veste comme ça, tu crois. Ta veste, ça fait une fois. Tu veux mettre mon téléphone dedans? Je vais mettre ton téléphone dedans. Bref. Je m'en bats les couilles. Ton téléphone, carnet d'identité. J'ai que mon téléphone sur moi. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Oh, je te jure, c'est bon, je te jure. Oh.
Franchement ou quoi? Ah, tous ceux qui pensent que c'est une douche, vous allez être très déçus les gars. Pour de vrai, c'est, on a fait des choses bien. Rentre-toi d'abord. Non, fais pas rentrer tout de suite. Oui, bien sûr. JP! Quoi? Attends, y'a Yandor, attends. Là. Ouais, attends, Yandor, rentre pas. OMG, ils ont ramené Shanoon en live. Bon. Vas-y, fais la rentrée. On t'a envie. Tu vas rentrer? Ah, attends. On va t'asseoir sur la chaise. On va t'asseoir, attends, on va te décaler la chaise. On va t'asseoir sur la chaise. C'est Monsieur Douche! C'est J'ai encore sauvé le live et j'en ai plein les yeux. C'était la douche de Monsieur Douche. Voilà. Merci Sophine. Je vois rien. Voilà. Je savais pas y a quoi dedans. Je sais pas, mais ça pique les yeux. Tantelle, mais vous en faites pas. Je l'ai jamais mis dans la veste. Mes lunettes. Pose mon lunettes, tu m'as pas les couilles, mes lunettes. Les lunettes. Pose mon t-shirt. Mes lunettes. Tu ne touches pas les enfants de mais Monsieur Douche! Ils sont où? Ils sont abonnés. Je sais pas où ils sont. Tiens! C'est pas ça! Ma mère! Attends, lâche-moi. Tiens, ça, Monsieur Douche! Monsieur Douche! La photo. La photo! Faut venir en bande pour la photo? Oui! Tiens mon téléphone, mouille, motherfucker. Écoute, descends pas, je viens fou. J'ai trop mal à l'œil, les gars. Je t'aime aussi. Monsieur Douche. Non, vas-y, JP, venez, viens, écoute, JP, ça filme devant, s'il vous plaît. Je me suis trempé. Non. Je vous aime, les crayes. J'ai mal aux yeux, là, j'ai... Ça filme, viens devant. Ouais. Pas fermé, gros, ça passe. 3, on fait cheese. 2, 1, cheese! Monsieur Douche, comment t'as pas dit son dernier mot? Putain, mais lâche-moi. C'est pas fini! Lâche-moi! C'est pas fini! Monsieur Douche doit finir de cleaner le monsieur! Non, comme pas! Faut que j'aille la descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, mais c'est embêtant. Là, j'suis trop indécis, j'ai le nuage en jambon.